à sa discussion, le premier moment... De quelque chose que tu connais pas. Bah moi je connais moi. Vous toutes. J'étais blessé peut-être un quart d'heure, 20 minutes après le début de l'engagement. J'ai été blessé au niveau de la hanche par balle, je pense que c'était une statille. Hein. Ils avaient arrangé la civière pour me tenir un peu, pas allongé complètement, mais un peu cambré pour essayer de trouver une place la meilleure possible pour respirer. On m'a évacué sur l'Argeau par hélicoptère que le lendemain matin. Et je suis arrivé à l'hôpital à Fort-Lamy environ vers midi, le lendemain. Ensuite, je suis resté, bon, j'ai subi plusieurs opérations, l'ablation de la tête du fémur, et j'ai été rapatrié en France environ un mois après. On m'a mis dans un avion, bon, je suis arrivé à Paris, hein. Bon, il y a une ambulance qui est venue me chercher à l'avion. Je suis arrivé à l'hôpital, on m'a mis dans un couloir, bon, les médecins ne savaient pas d'où je venais, pourquoi j'étais là. Bon, je leur ai dit, bon, j'arrive du Tchad. Bon, les gars étonnés du Tchad, et bon, qu'est-ce que vous faisiez au Tchad? Après, on m'a donné plusieurs permissions, je suis resté dans un hôtel. Et je rentrais, on me redonnait une permission de 15 jours, 3 semaines. Mais bon, là j'avais encore ma solde, alors j'arrivais encore à m'en sortir à peu près. J'étais remuté au 8 à Castres, j'ai été reçu assez froidement. Enfin, comme bon, le bleu là, qui arrive au régiment, et ça ne plaisait pas qu'un caporal soit médaillé, quoi. Ça faisait désordre, quoi. Donc après, quand j'ai voulu passer les concours pour rattraper le temps perdu, on m'a dit oui, pas de problème. Et un mois avant d'aller passer le concours, on me convoque. En me disant, non, Parisot, vous n'irez pas à Montpellier pour passer l'échelle 4. Les gens, ouais, bon, les chefs de section, qui à l'époque étaient, bon, étaient jeunes officiers, qui sont généraux maintenant, hein, et qui m'ont fait chier. Oui. L'armée m'a réformé et m'a mis à la retraite en décembre, hein, donc un an après quasiment. J'avais une retraite qui correspondait à ce que j'avais fait 5 ans, 11 mois et 8 jours d'armée, ce qui représentait à l'époque là, le SMIG était à 1100 francs et moi je touchais une retraite de 180 francs par mois et une pension d'invalidité de 450 francs par trimestre. Alors ça me faisait même... Ils m'ont lâché comme ça? Ah, ils m'ont lâché comme ça, absolument. J'ai jamais vu une assistante sociale, j'ai jamais vu personne. Et je me suis retrouvé dans la nature avec la moitié de la SMIC pour vivre, manger, boire et m'habiller. Et bon, je suis parti au CM1, j'ai fait un CM1. Et après, bon, j'ai été assez écœuré du système et je suis parti. Je me suis retrouvé à la rue pendant environ 2 mois. Et j'étais à Paris, dans les couloirs du métro, je quittais près de l'école militaire. Alors je voyais tous les jours des gars qui allaient à l'école, en uniforme et tout, ben, jamais personne n'a demandé ce que je faisais là, parce que j'avais un écriteau, c'était marqué dessus d'où je venais, et puis pourquoi. Il m'a dit, Parisot, vous ne partirez pas. Je lui dis, désolé, j'ai fait ma démarche, ma décision est prise, on m'a fait le coup une fois, 2 fois, on ne me le fera pas 3 fois, c'est terminé, je m'en vais. J'ai rencontré une personne qui avait été déportée. Elle s'est occupée de moi, puis j'ai enfin pu. Elle m'a expliqué mes droits. J'étais aux anciens combattants, je suis retourné à l'école pendant 2 ans. J'ai fait autre chose et puis j'ai réussi à intégrer le corps dans la police municipale de la ville d'Agde. Malheureusement, 6 mois après, il y a un ancien adjudant-chef qui avait fait quasiment ses classes avec moi à Bayonne qui arrive pour prendre le commandement du service. Je retombe dans le système de la jalousie parce que tu as une poitrine décorée et lui pas du tout. Il a fini par me dire, tant que je serai là, tu prendras jamais de grade. Je dis, c'est pas possible, c'est toute ma vie, je vais être martyrisé avec cette histoire-là. Hein. Ouais. Ah, l'armée, c'est bon, avant tout les copains, quoi. Avant tout la camaraderie, bon, les fruits d'équipe, les fruits de... Mon but, bon, bah, moi, c'est pas, comment dire, glorioles, cérémonies ou autres, c'est plutôt pour retrouver mes copains avec qui on a passé des bons moments et puis des moments forts. Et surtout, c'était ma famille. Maintenant, ben, on se maintient avec une petite bande de copains, d'amis, des vrais, des purs, qui te ressemblent comme dans un miroir. Et là, avec eux, au moins, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux avoir une confiance absolue, tu peux leur tourner le dos. Enfin, tu sais que là, ils ne te feront pas de vacherie. Ça court plus les rues, des types comme ça. Et on est bien content qu'il en existe encore quelques-uns.